Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dans une bourse miniature et franchement j'ai trouvé encore un truc exceptionnel. Et en fait c'est un stand tout entier et je me suis fait des nouveaux amis. Ouais, ciao, merci, à une prochaine hein, et franchement je pense qu'on va voir du beau, du gros, du lourd comme d'habitude et bien sûr de trouver des partenaires entre guillemets collectionneurs, ça va faciliter à trouver d'autres choses que je pourrais vous présenter. Donc maintenant vous avez envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a hein. Donc tu lâches le pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà le cas et tu laisses le commentaire bien sûr. Voilà, donc ça c'est nouveaux amis là qui s'assoient là les collectionneurs de mini. Donc il y a pas mal de 1/18e. Voilà, l'américaine. En fait, il se sépare de sa collection à 1/18e pour mieux se consacrer à l'échelle. Voilà, regardez-moi ça déjà. Premier modèle qui se promène comme ça. Super Treasure Hunt. Donc voilà, particularité, c'est que ben, là, les roues en gomme, donc ça existe hein, réellement sur le marché européen. Et il en a trouvé. Donc, il y a d'autres véhicules. Quand même des pas mal de véhicules, la Fast and Furious, la petite Dodge là derrière, tranquille. Ça doit être du 1. C'est quoi comme échelle là, celle-là là? Ça c'est du 1.32, c'est du Jada Toy. 1.32 Jada Toy, voilà, nickel. Fais coucou à la chaîne. Salut, maintenant collectionneur. Alors il y a du bout. Et de la Hot Wheels, en veux-tu, en voilà. Donc à première vue on a discuté avec le collectionneur et il s'avère que lui il ratisse beaucoup plus large que moi au niveau magasin, mais on se bataille dans les magasins. Donc des fois quand je trouve pas les collections entières, c'est peut-être parce qu'il a pris 50% de la collection avant moi. Donc ouais, il y a du Müller. Donc comme dit c'est dispo, hein, j'en ai quelques-unes de dispo, du Müller, et de la Matchbox, de la Golf qui est voilà. Il y a le reste de la collection que bah, j'ai pas présenté. Voilà, ça c'est déjà présenté sur la chaîne. Il y a d'autres collections. Star Wars. Donc ça, il a dû passer avant moi. Celle-là, je ne l'avais pas vue en magasin. Il y a pas mal. Regardez-moi, ça c'est la caverne d'Ali Baba. Donc ça, Datsun, ça on a déjà vu. Celle-là, impossible à trouver. Quoi, c'est une mini? Non, c'est toujours la même. Wow, super. La Green Light que j'ai présentée aussi. La Eleanor. Donc là, en boîte. Alors, je sais pas trop, je vais lui poser la question comment il a fait pour l'avoir en boîte et pas en blister US. Regardez-moi ça. Oh, ça, je pense que je vais me prendre. C'est magnifique. Nickel. Tiens, mets-la moi de côté celle-là, s'il te plaît. Avant qu'elle disparaisse. Ah, c'est magnifique. C'est toujours un petit peu les mêmes collections. Alors attends, je vais lui remettre son stand en place, sinon il va m'appeler Arthur. Il va dire que le GG, il fait n'importe quoi. Alors, on va le mettre comme ça. Ça fait un petit peu style. Ouais, du Hot Wheels. Elles étaient là-haut, celles-là avant. Ah, ça se démonte, c'est fait exprès. Oh putain, j'ai cru que je l'avais pété quoi. Non, c'est fait exprès. Ah ouais. Changer les coques. La Hot Wheels interchangeable de coque, donc ça c'est aussi exceptionnel. Il y a. J'ai vu qu'il y avait du NASCAR aussi sur. Donc là, pour Thierry Lambeau qui adore la NASCAR, ça va être cool. Voilà. Je vais couper et je vais reprendre après. Là on reprend la vidéo. Je vais vous montrer pas mal de choses. Moi aussi je suis Dick Kirch. C'est bon à savoir. Ah. Corvette, magnifique. 15 euros.
Donc ça, j'avais, c'est une spéciale Miguel Gadget, hein. Tu vois, elle est dispo, hein. Enfin, je sais que tu l'as cherché, celle-là. Là, il y a de la Hot Wheels traditionnelle. Donc, voilà, quoi. On dit, il fait comme moi, quoi, il fait la razzia, donc... tranquille. On aurait une vitrine, on prendrait des choux. J'aime bien les chocolats des bonnes en bleu. Oh, il n'y a pas besoin d'avoir de vitrine. Mais c'est vrai que c'est pratique. Ça marche. Donc là, il y a de la Noël. Une petite calandre, tranquille. Ils sont magnifiques. Voilà, on continue le film. J'ai dû couper parce qu'il y avait du monde sur le stand. Donc voilà, il y a eu du NASCAR. Spécial pour Thierry Lambeau. Donne-moi ça. C'est pas mal, hein. Attends, il m'a sorti quelque chose là, le gars qui tient le stand. Oh, je suis pas trop friand en NASCAR. Regarde-moi ça. C'est pas beau la vie. Tu les vends à combien? 5 pièces. 5 euros pièce, ok. Enfin, dis, si jamais mon pote il. Ça l'intéresse, je te contacterai. Je vous mettrai en relation. Je vais prendre tes coordonnées aussi. Donc là, il y a la Matchbox. Donc c'est des blisters longs US. Donc ça, c'est du. Bon. C'est du quelle année ça? Je crois que la Matchbox, c'est des années de. 2010, hein, ça non? Ah, 2000! Ok, à peu près. C'est parce que ces blisters sont vachement vieux. Un spécial, ça, bien sûr. Ça, c'est le style de stand que tu vois vachement. Attends, je pose le portable. Regarde un peu ce qui monte là. Juste pour me foutre les boules. Oui, il y en a encore plein. Et c'est celle-là que j'ai acheté il y a une semaine, quoi. Ok, nickel. Ça, c'est du collector aussi. Il y a tout le McDonald's, il y a du MIF, il y a du. Quoi faire? Ouais. Sympatoche. Super stand. Plein de belles choses. Un petit peu de Majo. Un petit peu de. Beaucoup de Hot Wheels. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouh, putain. Voilà. Donc voilà, eh ben, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Fais coucou à YouTube aussi. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous rends rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ouais. Bye bye.